Ouais, la cité. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale canicule parce que en ce moment il fait archi chaud. Mais même s'il fait chaud, on doit être belle. Genre, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on va pas être belle. Donc là, c'est un make-up. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis le moins de choses possible. J'ai fait en sorte d'être quand même dar, d'être quand même quinquin. Donc là, je vais tout vous montrer en voix off, bien évidemment. Et avant ça, je vais vous parler de mes cheveux. Donc je porte une wig de chez Ali Annabelle. C'était une 613. Je vais vous montrer la vidéo de qui me l'a faite la couleur et qui me l'a installée sur ma tête. Je vais vous mettre son Instagram pendant la vidéo avec son snap, tout ce qu'il faut. Donc les mèches que j'ai eues, ce sont des 613. Du 20 pouces, il me semble. Donc il m'arrive en dessous des tétés. Bon, bah, on me déconcentre. Je recommence? Et en fait. Mais Rina! Il m'arrive en dessous des tétés. Dit comme d'hab, vous savez que j'aime pas les intros trop longues. Donc, je vous laisse regarder la vidéo de ce qu'on m'a fait sur ma wig. J'ai juste, pardon, filmé quand elle me l'a posée et quand elle m'a fait des nattes sous ma tête et patati et patata. Et voilà. Et en même temps, vous pourrez regarder la fluidité des cheveux. Parce que c'est quand même des 613, elles ont quand même été travaillées. Donc pour moi, elles sont grave bien. Enfin bref. Voilà, voilà les gars, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Gros bisous. Donc là, les filles, comme vous voyez, pour que je puisse avoir un effet super plat, elle m'a fait des tresses collées. Franchement, j'avais archi pas mal, moi qui crains un peu les cheveux. Là, franchement, limite, je voulais m'endormir. Donc là, une fois les tresses finies, elle va venir me poser la perruque. Mais bon, je vous épargne les détails. J'ai pas voulu voir ça donnait quoi sur ma tête parce que c'est la première fois que je mets du blond aussi clair. De toute façon, vous allez voir ma réaction. Je suis vraiment une débile, mais bon. Franchement, elle m'a trop bien fait la couleur. Je vais vous mettre son Instagram juste là. Elle la tue et ça, les gars. De toute façon, vous allez voir ma réaction. J'étais vraiment choquée quand j'ai vu ma tête. Là, du coup, on va prendre la pince à épiler pour du coup désépaissir le cheveu et faire un effet super naturel. Et voilà le résultat final. Une fois coupée la tulle et une fois qu'elle est collée ma perruque avec de la gotte to be, franchement, elle a tué ça. Franchement, c'est trop beau, regardez. Regardez la couleur, s'il vous plaît. Ah, je suis love. Donc là, du coup, je prends ma bâche de chez BK pour avoir un beau, une belle peau bien douce. Je l'applique sur mon visage. Ensuite, je passe à mes sourcils. Donc là, je prends un crayon de chez NYX et je fais mes sourcils. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Colourpop parce que je vais pas mettre de fond de teint, donc je vais prendre un cerne assez couvrant et je vais l'appliquer juste au niveau de mes cernes. Je vais l'humidifier du coup avec mon fixateur pour que rien ne bouge parce que là c'est le soleil. Qui dit soleil dit transpiration. On veut pas que notre maquillage dégouline, donc je vais bien tout fixer. Donc là directement, ce que je viens faire, c'est que je viens de prendre ma poudre lip de chez Huda Beauty. Je la laisse pas poser, je l'enlève ensuite directement. Ensuite, je vais prendre mon bronzer et là, je vais l'appliquer au niveau de mes paupières. Donc là, pour unifier mon teint, je vais prendre ma poudre MAC et je vais en appliquer sur tout mon visage. Donc là, je vais prendre mon bronzer de chez Black Oil, je vais mélanger les deux couleurs et je vais l'appliquer sur mon visage. Du coup, place au fard à joues, je vais prendre les deux couleurs orangées de la palette Makeup Revolution. Donc là, pour le creux de mon œil, je reprends la même palette. Et là, les filles, on en est beaucoup. C'est l'highlighter. Faut pas être timide. On met la dose. Faut briller. C'est l'été, il y a le soleil, on veut briller.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez... Ah là 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 là, je recommence. C'est dur d'être youtubeuse. Hein. C'est trop beau la vie d'artiste. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le make-up vous a plu. Je vous laisse liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kiss. Obisiko, tim tim tim, obisiko, yo wa, obisiko, tim tim tim, obisiko, yo wa.